Good morning, Aliden. L'étude sera aujourd'hui le lundi matin. Bramiona ben Chana Peggy bat Esther Nissim ben Amadou Michel Noviko Vassili Rafat Rout bat Claudine Traina Simcha bat Masoudi Efrat Ma'ayan bat Léa Betor Shar Chol Israël. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Edouyot, Perek Dalet Mishnah Bet. Behema Shenolda Beyom Tov. Hakol Modim Shehi Muteret. Vefroach Sheyatza Mina Beitza. Hakol Modim Shehu Asu. השוחט חייב העוף ביום טוב, בית שמאי אומרים, יחפור בדקר ויחסה. ובית הלל אומרים, לא ישחוט, אלא אם כן היה לו עפר מוכן. ומודים שאם שחט, שיחפור בדקר ויחסה, שאפר קירה, מוכן הוא. דו סוג'י דונות משנה, פרמייר פרטי, זה הקומפלמנט על המשנה הפרסדנט. אוליון חדשוית און אקספליק. בהמה שנולדה ביום טוב, un animal domestique, un animal, d'accord? Qui naît pendant Yom Tov, soit une vache qui met bas, elle fait sortir un petit veau, et bien, Akol Modim Shehi Muteret. Tous sont d'avis à permettre à le manger. En rapport avec l'œuf qui est pondu pendant Yom Tov, qui était assourd, on va faire le point, d'abord je traduis la phrase d'après. Veforar Shehatsamina Beitza. Par contre, si c'est un poussin qui est sorti de sa coquille d'œuf, un œuf qui a éclos donc, et un petit poussin qui sort, alors, à Kol Modim, chez Ouassour, tous sont d'avis à l'interdire à manger. On rappelle la Mishnah précédente, tout d'abord. On va parler du cas initial mère, et ensuite, c'est-à-dire, on parle dans la Mishnah précédente d'un œuf qui est pondu pendant Yom Tov, lorsque Yom Tov tombe un lendemain de Shabbat. Le problème était que l'œuf a été fabriqué, préparé pendant Shabbat, pour ensuite être pondu pendant Yom Tov, il y avait un problème de Mechin, que Shabbat a préparé pour un jour d'une Gdusha moins importante, la Gdusha de Yom Tov. Donc c'est en cela qu'il y avait un interdit, mais entre parenthèses, puisque c'est interdit dans cette configuration, on interdit dans tous les Yom Tovim. D'accord, mais on va se concentrer sur ce cas-là précis. Ben, la Mishnah vient et nous enseigne maintenant. Sache que si par contre, c'est ta vache qui met bas, et donc tu vas avoir un veau pour un nouveau veau pendant Yom Tov, tu auras le droit de le manger pendant Yom Tov. Pour quelle raison? Parce que, alors le rapporteur Mefarchim m'explique, parce que le veau, lui, lorsqu'il est en gestation, avant ensuite de naître, il est déjà prêt plusieurs jours avant. Donc en réalité, lorsque tu vas avoir un veau qui va naître pendant Yom Tov, alors ça fait déjà plusieurs jours qu'il était déjà prêt en théorie à être mangé, sous toutefois il était sorti. Donc il n'y a pas en cela une préparation, la vache n'a pas préparé le veau, ne l'a pas achevé pendant Shabbat pour un jour de Yom Tov. D'accord? Suite de la Mishnah, à propos du poussin qui est clos, alors là, c'est expliqué de deux manières. Il y a marqué littéralement, il y a marqué un poussin qui sort de sa coquille, et ben, qu'il est interdit à être mangé, à être consommé. Le Barthénois explique ça. Il y a eu une discussion, en fait, dans la Gemara, et le Barthénois a choisi un avis qui n'est pas retenu à la race, assez étonnant. Mais en tout cas, tel qu'il explique, on n'est plus en train de parler du Yom Tov, forcément. On est en train de parler de tous les jours. Lorsqu'un poussin est clos, il y a une halakha, selon un avis de la Gemara, que le poussin ne pourra être consommé qu'à partir du moment où il va ouvrir les yeux. Tant qu'il a encore les yeux fermés, il y a deux signes en réalité. Il ouvre les yeux, et je ne sais pas exactement c'est quoi, c'est qu'il ait des ailes et des plumes, un peu sur tout son corps, je ne connais pas la quantité, je ne suis pas tellement zoologue en fait. Donc en tout cas, il y a un moment où, lorsque le petit poussin il est clos, qu'il a encore... un petit oiseau qui ne s'est pas volé, d'accord? Et ben, ce petit oiseau qui ne s'est pas volé, pour le moment, on n'a pas le droit de le manger tant qu'il a les yeux fermés. Il y a des signes qu'il est encore considéré comme un chéret de sa offre. Pour le moment, il a un même statut qu'un insecte. Jusqu'à ce qu'il atteigne une petite maturité, je ne sais pas si. J'imagine que ça doit être une histoire de jours, maximum, un ou deux jours, où il a à présent assez grossi, s'est rempli, il a ouvert ses yeux. Alors là, il commence à être permis à être mangé. Donc on n'est plus en train de parler de Yom Tov du tout. Il y a une autre explication qui parle qu'en réalité, qui va retenir l'avis de Chachamim que d'abord l'œuf, depuis le poussin, depuis le moment où il sort, on a le droit de le manger, même s'il a les yeux fermés, et comme ça c'est retenu dans la trace, rapporté dans le Tirat Israël ici. Mais il y a un problème ici de nouveau de préparation, de Mechin Mishabbat Yom Tov, qu'on est en train de parler en réalité d'un œuf qui a éclos pendant Yom Tov, qui est tombé un lendemain du Shabbat, et qu'à la différence de l'animal, on a dit une fois que la mère le met bas, lorsque la mère le met bas, en réalité, il était déjà prêt plusieurs jours en arrière, donc c'est pas Shabbat qui a préparé pour Yom Tov. Et bien pour le poussin, qui était en train de se finir,
Tant qu'il n'était pas sorti, il était encore en train de se préparer. Donc il s'avère que si l'œuf éclos pendant Yom Tov, eh ben, il aurait continué sa préparation pendant Shabbat, et donc c'est assur. D'accord ? On a fait les deux explications. Maintenant, on va passer à un tout autre sujet. Cette fois-ci, il y en a, entre parenthèses aussi, il y en a qui disent que ce début de la Mishnah, il ne fait pas partie de la Mishnah, il fait partie de la Gemara. C'est discuté, est-ce que ça faisait partie de la Mishnah ? D'accord ? Maintenant, la suite de la Mishnah, c'est la Mishnah Bet du début de Maseret Beitza, la même, identique. On avait le début du Perek, c'était la Mishnah Aleph de Beitza, Aleph Aleph, et puis maintenant, c'est Aleph Bet. Perek Aleph, Mishnah Bet de Beitza, c'est celle-ci, c'est la même exactement. Bet Ashochet Chayava Of Beyom Tov. On lit, on traduit, puis ensuite on va expliquer. Celui qui égorge une Chaya, une bête sauvage, va off. Et une volaille, Beyom Tov, pendant Yom Tov, Bet Shamay Omrim, Yachpor, Baddeker, Vichase. Bet Shamay nous enseigne qu'il pourra creuser avec le pieu et recouvrir. Bet Hillel Omrim, Lo Ishrot, et Bet Hillel pense qu'il ne pourra l'égorger, Elaimken Hayalo Afar Mohan, que s'il avait de la terre prête. On s'arrête là pour le moment et on explique, il faut quelques petites introductions. Tout d'abord, la halakha de Kisui Adam, bientôt, d'ici peu, il y en a qui vont faire les caparotes avec des poulets. Et alors là, si vous avez l'occasion d'avoir des caparotes dans le quartier, ou d'être en Israël, ou je sais pas, à Jérusalem, ça se trouve encore, je sais pas où ils en sont avec les services vétérinaires, mais en tout cas, allez jeter un œil, vous verrez quelque chose de très original, c'est que lorsqu'on a fini d'égorger le poulet, eh ben, on recouvre son sang. Il y a une halakha particulière lorsqu'on égorge une volaille ou encore une bête sauvage, les cerfs, gazelles, mais pas les vaches et les moutons, pas les animaux domestiques, ce qu'ils appellent en fait les, d'accord, bétail. Et sur cela, il n'y a pas de musade qui souille à dame de recouvrir le sang, tandis que pour les volailles et pour la chaya, donc ce qu'on appelle une chaya, qui est un animal sauvage cachère, bien sûr qui a les signes et le zoophage, comment ça s'appelle, ma fressette par ça, mais je fais ça, je sais ça, bon, ma la guerra, elle rumine, voilà, elle rumine, elle a les sabots fendus. C'est comme ça qu'on apprenait quand on était petit. Elle rumine, elle a les sabots fendus. Il y a des animaux sauvages qui les ont, en l'occurrence le cerf, je crois que ça c'est considéré comme une chaya. Alors, il y a une halakha spéciale de recouvrir son sang. Ouais, pour la volaille et pour la chaya. Faut lui recouvrir le sang. Or, lorsqu'on égorge pendant Yom Tov d'abord, bien sûr, on a le droit de préparer les repas, et ça implique même d'avoir de la viande fraîche qu'on vient d'égorger. C'est permis. Maintenant, on va être confronté à un petit problème, à un double problème en réalité. Lorsque je vais égorger pendant Yom Tov, un poulet par exemple, alors il va falloir que je recouvre son sang. Recouvrir son sang, ça veut dire que tu dois prendre de la terre. Il y a en cela trois interdits. Mouktsé, Chofer, d'accord, et Tochen. Mouktsé d'abord, du sable, on n'a pas le droit de le déplacer pendant Yom Tov ou pendant Shabbat, c'est mouktsé. Maintenant, pour ça, il y a toutefois, c'est un interdit qui n'est que Midrabanan, mais il y a en cela aussi, il y a par ça deux autres interdits de Horeta. Tout d'abord, si je me mets à creuser un trou par terre, il y a un interdit de Soter, bonnet Soter, ça veut dire Chofer, Choresh, j'ai pas le droit de labourer, j'ai pas le droit d'arracher de la terre, du sol. Et en cela, un interdit de Choresh, en fait, ça s'appelle, d'accord, Chofer, Soter. Et à part ça, si je vais lever de la terre qui va être en bouche et que je vais vouloir l'effriter, il y a un interdit de Tochen, de moudre. D'accord ? La donnée est claire. De ce fait, d'abord, un cas admis avant d'entrer dans le cas particulier de la discussion, c'est que si je n'ai pas de terre prête pour recouvrir de la terre ou bien descendre, comme ce qu'on va voir ensuite, pour recouvrir ensuite le sang, alors, si je vais demander à un rave, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai le droit d'égorger ? Le rave vient me dire, tu n'égorges pas pendant Yom Tov. Tu ne vas pas pouvoir, tu ne peux pas rentrer, c'est un grand sujet de manière générale, lorsque tu t'engages à faire, tu veux faire quelque chose, mais qu'à cause de ça, ensuite, tu vas te faire imposer une mitzvah que tu ne pourras pas accomplir, est-ce que tu as le droit de le faire ? En l'occurrence, voilà, vous avez un cas type, je vais égorger un animal, mais ensuite, je n'ai pas de terre pour recouvrir son sang. Est-ce que j'ai le droit de l'égorger ou pas ? Alors, pendant Yom Tov, on va me dire, non, tu n'as pas le droit de l'égorger. Sauf si tu as de la terre prête. Et si déjà, je vous fais lire la dernière phrase de la Mishnah qui est chez Efer Kira Mouchanou. Il y a marqué ici que le Efer, les cendres du fourneau, ça s'appelle Mouchan, c'est prêt à être utilisé. Si j'ai par exemple dans mon fourneau, on n'a qu'à faire tout de suite toute la phrase même. Omodim Shim Shachat Shiarpor Badeker, et Chasse, non. Ouais, chez Efer Kira Mouchanou.
que cette phrase pour le moment. Tout le monde est d'accord, d'après Bet Shammai comme d'après Bet Hillel, que si j'ai de la cendre de fourneau qui est prête, donc je vais pouvoir recouvrir le sang avec, j'aurai le droit d'égorger. Tout notre problème se pose lorsque je n'ai pas de cendre prête. Alors maintenant, il y a toutefois une petite discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Si toutefois, j'ai un pieu qui est déjà planté dans la terre depuis avant Yom Tov, de manière, alors il y a deux manières de le dire, on va le rapporter comme ça c'est rapporté dans le Mefarshim, que de manière à ce que depuis le moment où j'ai planté le pieu, j'ai déjà soulevé un petit peu la terre. Donc il va s'avérer que cette terre déjà, lorsque je vais finir par la lever, il ne va pas y avoir de Choresh. Dans Maser Beta, ils expliquent ça un peu différemment, pourquoi il n'y a pas de problème de Choresh. On parle que c'est dans un endroit où ce n'est pas du tout commode d'avoir un trou, donc il n'y a pas de histoire de Choresh, puisque je suis mécalquène. D'accord ? Concrètement, donc, je repose encore une fois, je repose le cas. La discussion de Bet Shammai va être, de Bet Shammai et Bet Hillel, elle va être dans un cas où on a résolu les deux problèmes de Raïta, mais pas le problème de Moukseh. Soit, il n'y a pas de problème à lever le pieu parce qu'on est dans une configuration spéciale, on n'aura pas le problème ensuite de moudre la terre parce qu'on parle d'une terre qui est très, poudreuse, ouais, une terre sèche, du sable, un peu comme ça, j'aurai pas besoin ensuite de le friter, donc il n'y a pas de problème de Tochen, et dans ce problème, il va être le problème de Moukseh. J'ai pas désigné initialement cette terre que j'allais l'utiliser, j'ai pas fait de Ihoud. Ça s'appelle pas Mouchan, c'est pas du prêt à être utilisé pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, donc c'est assour de l'utiliser à cause du problème. Donc c'est. Comment on résout le problème de Choresh? Donc je vous ai dit, on résout le problème de Choresh, soit parce qu'on parle que depuis le moment où j'ai planté le pieu, j'ai déjà un petit peu, ça a distingué la mode de terre qui était au-dessus du reste de la terre, donc il n'y a plus de problème d'être Choresh, soit c'est parce que c'est dans un endroit où c'est pas du tout commode à avoir un trou en plein milieu de mon salon, j'avais de la terre battue, puis maintenant je vais avoir un trou dans mon salon. Donc là, il n'y a pas de problème de Choresh. Il n'y a pas de problème de Tochen parce qu'on parle d'une terre, comme on a d'une terre ou du sable qui est très poudreux. Alors maintenant, on a un problème de Moukseh. Bet Shammai va dire, écoute, à Yom Tov, il y a une grande mitzvah de manger de la viande. Or, manger de la viande, ça implique de manger de la viande fraîche aussi. À l'époque, ils n'avaient pas de congélateur, pas de frigo. Donc, il fallait égorger le lendemain de Yom Tov. Si toutefois, tu as un pieu qui est déjà planté dans une terre qui est comme ce qu'on a dit, qui est déjà en poudre, alors là, Bet Shammai va dire, écoute, c'est pas grave pour l'interdit de Moukseh, égorge ton animal et recouvre ensuite le sang. Et Bet Hillel va dire, non, a priori, je ne te le permets pas. Je préfère que tu ne manges pas de viande plutôt que tu manges de la viande de la sorte. Si toutefois, maintenant, ou modim, shim shachat, sheyarpor, badeker, vichase, Bet Hillel reconnaît toutefois que si tu as déjà égorgé, avant de nous poser la question, et puis après tu commences à dire « Ah, mais j'ai pas de terre pour le couvrir », tu viens demander au Bedin « Qu'est-ce que tu fais ?» Alors le Bedin, le Rav, va te dire « Bon, si déjà t'as égorgé, t'as le sang qui est par terre, c'est pas grave, soit renonce à l'interdit du Moukseh, c'est plus important de couvrir le sang. » D'accord ? Mais a priori, on ne va pas te permettre d'égorger pour recouvrir avec cette terre qui est Moukseh. Ok ? Je crois qu'on a tout dit. Alors, bon, Rochem, on a compris. On reprend ça dans les mots. Regardez. Achochet Rayavov, oui, on parlait juste d'une volaille. Ouais, histoire d'alléger. Achochet, celui qui gorge un animal sauvage ou une volaille pendant Yom Tov. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai nous dit, écoute, Yarpor bat Deker veyachase. On parle d'un Deker. Un Deker, c'est le pieu, comme l'idkor planté. On parle d'un pieu qui est déjà planté par terre. Alors, Bet Shammai te dit, tu auras le droit d'être offert d'Aïnou de le creuser, c'est-à-dire en fait de le soulever ensuite. On parle bien sûr d'une terre qui était poudreuse, et tu pourras ensuite recouvrir ton sang. Soit, Bartanoa précise, on parle qu'un Beddin Morin Loshish Rotechatrila. Si tu viens demander au Beddin, le Beddin te dira tu as le droit d'égorger et de t'appuyer sur cette terre que tu as, c'est pas grave pour l'interdit de Moukseh. Au Bet Hillel Omrim, et tandis que Bet Hillel vont te dire non. Loishrot, je ne te permets pas d'égorger. Ela imken hayalo afar mouchan, que si tu avais de la terre déjà prête, mouchan, qui n'a pas de problème de Moukseh, tu l'as déjà désigné que tu allais l'utiliser pour recouvrir. Maintenant, malgré tout, ou modim, chez Imshachat, tout le monde reconnaît, soit même Bet Hillel reconnaît que Imshachat, s'il a déjà égorgé, avant de poser la question au Rav, alors maintenant il va voir le Rav a posteriori, il lui dit, mais qu'est-ce que je fais Rav, maintenant j'ai mon sang qui est par terre, qu'est-ce que je fais, je recouvre pas. Alors le Rav va lui dire, chez Arpor, Badeker, Vechase, il pourra lever le fameux pieu, et à condition qu'il n'y ait pas d'interdit de Choresh et qu'il n'y ait pas d'interdit de Tochen, Veichase, il pourra recouvrir le sang. Et à part ça, il y a un petit problème, parce que c'est un chez, mais en fait c'est pas un chez, c'est un vav qui vaudrait dire plutôt, comme ça les méfarchim m'expliquent. Veifer Kira Mouchanou, et à part ça, sache qu'à part ça, il y a une autre solution aussi. C'est que si tu as dans ton fourneau, tu as de la cendre, tu as le droit d'utiliser la cendre pour recouvrir. Soit, a priori, si tu veux égorger et que tu as de la cendre qui est dans ton fourneau, tu as le droit de l'utiliser. On parle en réalité d'une cendre qui est encore chaude. Ok ?
quel est l'intérêt? Si la sonde elle a refroidi, elle est devenue elle aussi mouktsé. Et donc il y aura la même discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel ne va plus permettre de l'utiliser. Mais si la sonde elle est encore chaude, alors tu as le droit de la manipuler pour faire cuire. Tu peux très bien utiliser les cendres bouillantes pour mettre un œuf dedans et te faire un petit œuf grillé. D'accord? Donc tu peux encore l'utiliser, c'est pas encore mouktsé. Si la cendre elle est chaude, tu auras le droit d'utiliser cette cendre pour recouvrir le sang de la volaille. Et c'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.